Eh bien bonjour à tous, c'est l'heure de Classe Classique, votre rendez-vous hebdomadaire de musique classique, tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur RVL. Bienvenue au jardin, chers auditeurs. C'est une manifestation qui est organisée par le ministère de la Culture et qui a lieu ce week-end. Alors, nous arrivons à la fin du week-end. C'est peut-être un petit peu tard, mais si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller visiter un des merveilleux jardins que nous pouvons avoir dans la région, eh bien, je vous propose un petit voyage dans des jardins musicaux. Et on va commencer par dans les jardins d'un monastère de Albert Kettlebay par le London Promenade Orchestra que dirige Alexander Faris. Thank you.
C'était dans les jardins d'un monastère de Kettle Bay. On continue avec les nuits dans les jardins d'Espagne de Manuel de Falla, avec la troisième partie qui s'appelle Dans les jardins de la Sierra de Cordoue. Gonzalo Soriano est au piano, l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire est dirigé par Raphaël Frubeck de Burgos. Thank you.
C'était un extrait des Nuits dans les jardins d'Espagne de Defalia. Et après les jardins, voici la jardinière, évidemment, la Finta Giardiniera, la fausse jardinière, très exactement, de Mozart. Un opéra dont voici l'ouverture, un opéra de jeunesse, pardon, de Mozart, dont voici l'ouverture par le Royal Concertgebouw d'Amsterdam que dirige Niklaus Harnoncourt. Thank you.
Vous venez d'entendre la Finta Giardiniera de Mozart, c'était très précisément l'ouverture. On continue avec Debussy qui nous emmène dans des jardins sous la pluie. C'est un extrait des Estampes de Debussy qui est interprété par Walter Gieseking. Vous êtes toujours sur RVL, sur 103.1, et nous poursuivons cette émission en écho à la manifestation du ministère de la Culture « Bienvenue au Jardin » avec ce concerto grosso opus 1 numéro 8 dit « Pastoral ». C'est un concerto grosso qui se joue à 5, il est en fa mineur. Voici la dernière partie, la sixième partie « Pastorale ad libitum obligata con tutto il concerto grosso ». C'est une œuvre de Pietro Locatelli, compositeur qui est à peu près de la même époque que Vivaldi, un tout petit peu postérieur, une génération après à peine, et Gottfried von der Goltz dirige l'orchestre baroque de Fribourg. Thank you.
c'était la dernière partie, la pastorale du concerto grosso opus 1 numéro 8 de Locatelli. Nous continuons par la visite d'un très très beau jardin, celui de l'Alhambra à Grenade. Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega, un compositeur espagnol du 19e siècle. Il est né en 1852, il est mort en 1909 et c'est Philippe Azoulay qui nous l'interprète à la guitare. C'était la petite pièce pour guitare Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega. Et après l'Alhambra de Grenade, nous allons à la Villa Borghese à Rome avec les pins de la Villa Borghese tirés des pins de Rome de Ottorino Respighi. L'orchestre symphonique de Pittsburgh est dirigé par Laurine Mazel. Thank you.
C'était un extrait des Pins de Rome de Respighi, les pins de la Villa Borghese. Un jardin plus douloureux, on va dire, c'est le jardin des oliviers. Oui, il y a aussi des jardins qui sont moins agréables. Les mystères douloureux du rosaire de Heinrich Ignaz Franz Bieber, compositeur salzbourgeois du XVIIe siècle. Voici la première partie de ces mystères douloureux du rosaire qui s'appelle donc le jardin des oliviers. Ce jardin des oliviers nous est interprété par Patrick Bismuth au violon. Il est accompagné par l'ensemble La Tempesta. Thank you.
c'était un extrait des Mystères douloureux du rosaire de Bieber. On continue avec une scène de jardin de Eric Wolfgang Korngold. Renaud Capuçon est au violon, il est accompagné de Jérôme Ducrot au piano. Thank you.
C'était Scène de jardin de Korngold et nous continuons cette émission consacrée au jardin à l'occasion de l'opération Bienvenue au jardin organisée par le ministère de la Culture avec un jardin un petit peu particulier, c'est le Jardin des Plantes de Paris avec l'éléphant du Jardin des Plantes. C'est une chanson écrite par Manuel Rosenthal, pardon, ce compositeur né en 1904 et décédé en 2003 à l'âge de 99 ans, ce qui est quand même remarquable. Voici donc l'éléphant du Jardin des Plantes, une petite chanson chantée par Patricia Petitbon, accompagnée par Suzanne Manoff au piano. C'était bref mais savoureux, c'était l'éléphant du Jardin des Plantes de Manuel Rosenthal par Patricia Petitbon. Et nous allons terminer cette émission consacrée au jardin avec un concerto de Vivaldi, le concerto pour flûte opus 10 numéro 3 en ré majeur, sous-titré Le Chardonneret, puisque le chardonneret est quand même un oiseau qu'on rencontre régulièrement dans nos jardins. Voici donc ce concerto Il Gardellino de Vivaldi par Yed Vance qui dirige de la flûte l'orchestre Musica Ad Renum. Je vous souhaite une agréable fin de week-end et une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, pour une nouvelle édition de Classe Classique. À dimanche. Thank you.
Thank you.